Bonsoir. Notre planète est recouverte à 70% d'océans, et pourtant, étrangement, on a choisi de l'appeler la Terre. Donc, le poète Edcott Williams a une vision bien plus objective et moins anthropocentrique quand il dit que vu de l'espace, la planète est bleue. Vu de l'espace, elle est le territoire non pas des hommes, mais des baleines. Et pourtant, on vient tous de l'océan. C'est le berceau de la vie, même si on l'a oublié. L'océan est partout, dans les glaciers, dans les rivières, dans les nappes phréatiques, dans les cellules des êtres vivants et dans nos veines. Étrangement, c'est John Fitzgerald Kennedy qui l'a assez bien illustré dans cette citation. Il est un fait biologique intéressant que chacun d'entre nous ait dans les veines un pourcentage identique de sel dans le sang à celui qui existe dans les océans. Nous avons donc tous du sel dans notre sang, dans notre sueur, dans nos larmes. Nous sommes liés à l'océan. Et quand nous retournons à la mer, que ce soit pour naviguer ou pour la regarder, nous retournons d'où nous venons. Et pourtant, cet océan, on le connaît très très mal. Ça reste un monde assez étrange et étranger et qui fait peur parfois. Cela dit, en fait, c'est loin d'être une masse d'eau inerte, une étendue d'eau qui ne sert à rien, en fait. C'est la vie marine qui fait que cet océan est un principal régulateur du climat, le principal puits de carbone et aussi le principal producteur d'oxygène. Entre 50 et 70% de l'oxygène vient de l'océan. Donc en fait, plus d'une inspiration sur deux que vous prenez, vous la devez à l'océan. Pas tout à fait à l'océan, en fait, vous la devez à la vie marine. La vie marine, en fait, c'est elle qui permet à cette masse d'eau, justement, de ne pas être juste une masse d'eau inerte, mais d'être cette machinerie qui nous permet de vivre. Et dans la vie marine, ça part du phytoplancton, qui lui fournit l'oxygène, jusqu'aux grandes baleines, en passant par les grands prédateurs, les thons, les dauphins. Et parmi ces espèces, il y en a qui sont écologiquement plus importantes que les autres, notamment les requins. Donc c'est l'exemple que j'ai choisi parce que c'est un animal qu'on a tendance à diaboliser, un monstre marin. Et pourtant, chaque année, on massacre 70 millions de requins. C'est comme si on exterminait l'équivalent de la France. Or, les requins sont des recordman de l'évolution. Ils ont 470 millions d'années. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que pendant 470 millions d'années, toute la vie dans l'océan s'est façonnée par et en fonction des requins. Et en tant que top prédateur, donc espèce clé de voûte, quand vous retirez les requins d'un écosystème, vous avez un effondrement de la biodiversité marine. Donc là où les requins ont disparu, on a des zones mortes où on a des explosions de méduses, mais on n'a plus de vie. Voilà, ça c'est le rôle des prédateurs. Nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à se considérer comme les top prédateurs, et pourtant, on est loin d'être des prédateurs, puisque dans la nature, les prédateurs sont d'une part régulés par la disponibilité de leur proie. Or, ça n'est absolument plus le cas pour nous, depuis qu'on a inventé l'agriculture et l'élevage. Et aussi, les prédateurs ont tendance à moins se reproduire. Donc, des guépards ou des lions vont avoir beaucoup moins de petits que des souris ou des lapins. Les souris et les lapins sont des proies, naturellement. Donc ils ont besoin de se reproduire très vite et en très grand nombre. Les requins, les baleines, les dauphins sont des prédateurs. Et donc ils n'ont pas été conçus pour être des proies. Nous en avons fait des proies. Et donc ils ne peuvent pas, en fait, survivre à la pression prédatrice de l'homme. Il y a aussi un point commun à tous ces animaux marins, donc qu'ils soient prédateurs ou non, c'est qu'ils participent tous en fait à la vie marine, c'est-à-dire à un cycle vital, contrairement à nous. Pour vous donner un exemple, les baleines bleues, une baleine bleue produit chaque jour 3 tonnes d'excréments, des excréments qui sont très riches en nitrogène et en azote. Et ça, c'est les nutriments essentiels pour le phytoplancton, qui nous fournit l'oxygène qu'on respire.
Donc en fait, on a perdu 40% de la population de phytoplancton sur les 50 dernières années, en grande partie parce qu'on a exterminé les baleines au XXe siècle. Et avant, mais encore plus avec l'invention du harpon explosif. L'homme, lui, va en mer. Il ne fait pas partie de cet écosystème. Nous n'en faisons plus partie depuis qu'on a quitté l'océan. On est donc un intrus. On est un intrus avec des moyens de pêche, de prédation, qui sont aujourd'hui industrialisés. Et on est un prédateur qui n'a plus les limites naturelles des prédateurs. Donc on est plus de 7 milliards. Et aujourd'hui, 7 milliards d'êtres humains veulent manger du poisson. Donc ça, c'est un gros problème. L'autre problème, c'est cette illusion qu'on a eue pendant longtemps et qu'on a peut-être encore, mais de moins en moins, qu'en fait, la vie marine est illimitée. Donc Jules Michelet, qui a écrit un livre qui est assez connu et qui est une référence dans la matière, l'illustre assez bien. Donc à certains passages étroits, on ne peut ramer, la mer est solide, millions de millions, milliards de milliards, qui osera se hasarder à deviner le nombre de ces légions. On compte que jadis, près du Havre, un seul pêcheur en trouva un matin 800 000. Dans un port d'Écosse, on en fit 11 000 barils en une nuit. Quand on lit les témoignages historiques, on nous raconte qu'en fait, au large de la côte ouest atlantique française, on pouvait voir des baleines passer pendant des jours, les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours. Et ceux qui vivaient près des côtes parfois n'arrivaient pas à dormir, tant le souffle des baleines faisait du bruit. Aujourd'hui, quand on voit un aileron, on est émerveillé. En fait, on a perdu la mémoire de ce qu'était la mer avant qu'on commence à pêcher. Donc voilà aussi une citation de Thomas Huxley qui illustre bien le manque de connaissances et le déni dans lequel on était. Rien de ce que nous faisons ne peut affecter le nombre de poissons. Et pourtant, aujourd'hui, on a déjà exterminé 90% des grands poissons de l'océan. Le problème aussi, c'est qu'on a du mal à avoir de l'empathie pour les poissons. C'est déjà difficile de sauver les baleines. Les baleines sont des animaux charismatiques, avec un gros capital sympathie. Et pourtant, aujourd'hui, en 2016, elles continuent à mourir sous les coups de harpons explosifs. Malgré les moratoires, malgré les sanctuaires. C'est d'ailleurs un des combats principaux de Sea Shepherd, parce qu'on considère que si on n'arrive pas à sauver les baleines, ça va être très compliqué de sauver quoi que ce soit d'autre dans l'océan. Et encore moins les requins, qu'on considère comme des monstres, ou les thons, qui ne nous intéressent pas. Les poissons, en fait, sont tellement déconsidérés qu'on s'en réfère à eux en termes de tonnes. Donc on va vous parler de 13 000 tonnes de quotas, de 13 000 tonnes de thon, de 15 000 tonnes de requins. Ça vous choquerait si je vous parlais de tonnes de girafes, ou de tonnes de chiens, ou de tonnes de français. Et pourtant, les poissons ne sont même pas considérés comme des individus. C'est simplement une masse qui fait partie d'un stock, qu'il s'agit éventuellement de préserver afin de rentabiliser le plus possible une exploitation de manière durable. Alors, on peut se demander aussi et se dire que, finalement, si les poissons disparaissent, si l'océan va mal, de toute façon, nous, on va bien. On est nombreux, on est partout. Et pourtant, il faut se méfier parce qu'il y a des signes trompeurs. En réalité, ce qui précède l'extinction d'une espèce, c'est plusieurs facteurs, dont ces trois-là, qui sont les principaux. Donc l'explosion démographique, la surexploitation des ressources et l'occupation de toutes les niches écologiques, c'est-à-dire le fait de se répandre partout. Donc peut-être que ça vous rappelle quelqu'un. En fait, si vous cherchez un exemple d'une espèce en voie de disparition, ce n'est pas la peine de chercher sur Google. Vous regardez dans un miroir, vous regardez votre voisin. Donc on ne va pas si bien que ça. Donc aujourd'hui, on nous parle de pêche durable. Et pourtant, les scientifiques des Nations Unies prédisent un effondrement des pêcheries d'ici 2048. 2048, c'est dans 32 ans. Donc c'est demain matin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un effondrement des pêcheries? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de poissons. Mais ça ne veut pas simplement dire que sur le menu, vous n'aurez plus de poissons, ou que quand vous irez dans les poissonneries, elles seront vides. Ça veut dire la mort de l'océan. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avant d'être une source alimentaire
pour qui que ce soit. Les poissons, comme la vie marine, sont la force ouvrière essentielle qui permet à l'océan, justement, d'être cette machinerie extraordinaire qui nous permet de vivre. Imaginez que vous deviez vous passer de plus d'une respiration sur deux. Imaginez que tout ce dioxyde de carbone qui est capté dans l'océan, qui est plus important même que ce qui est capté par les forêts, se retrouve dans l'atmosphère. En fait, ce serait la fin de la civilisation humaine. Alors, donc, en gros, je vous ai donné des raisons très... je vais le repasser après. Je vous ai donné des raisons très terre-à-terre, on va dire. Pourquoi défendre l'océan ? Finalement, la solution, elle est assez simple pour nous, pour tout le monde. Si vous ne dépendez pas directement des poissons pour vivre, le mieux est de s'abstenir d'en manger. 7 milliards d'êtres humains ne pourront jamais manger du poisson. On exterminera en fait la vie marine. Alors ça, c'est quand on réfléchit de manière utilitariste, parce que le leitmotiv, c'est celui-là. Si l'océan meurt, nous mourrons. Donc si on a envie de vivre et si on veut que nos enfants puissent vivre après nous, il va falloir qu'on prenne des mesures radicales, qu'on change nos modes de vie, qu'on s'adapte. Ça, c'est le maître mot de l'évolution et des espèces qui veulent survivre. Comme nous l'a dit Darwin, s'adapter ou mourir. Donc il va falloir qu'on s'adapte et qu'on s'adapte vite. Mais à titre personnel, ce qui me motive, moi, dans tout ça, et ce qui fait que je suis là devant vous ce soir, c'est pas tant cette question de survie, utilitariste, louable, mais utilitariste. En fait, c'est plutôt cette difficulté que j'ai à vivre avec cette injustice qu'on fait subir en fait à tout ce qui est plus faible que nous. Et je trouve que c'est moralement et éthiquement le moteur en fait qui me pousse et qui est très bien décrit par Milan Kundera dans cette citation extraite de l'insoutenable légèreté de l'être. Donc la vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de l'humanité, le plus radical, qui se situe à un niveau si profond qu'il échappe à notre regard, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Et c'est ici que s'est produite la faillite fondamentale de l'homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent. Merci.